this out. Le 24 MX Tour s'est ouvert ce samedi 18 mars 2017 sur le circuit de Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime. La première journée est placée sous le signe de l'avenir, les Espoirs 85 et les Juniors 125 sont à l'honneur. Après une matinée à prendre leur marque et tenter de faire leur meilleur chrono pour obtenir une bonne place sur la grille, les pilotes s'élancent pour la première manche. Premier tour, c'est Quentin Marc Prunière qui s'est emparé du commandement de la course, mais il est dépassé dans la foulée par Pablo Métayer, futur vainqueur de ce premier débat. Derrière le numéro 297, Bogdan Krajewski, numéro 34 et Florian Millot complètent le podium. Le all-shot de la deuxième manche est signé Maxime Gros. Le pilote Yamaha chute finalement dans le premier tour et laisse la tête à Quentin Marc Prunière. Derrière lui, on retrouve le duo de tête de la première manche, Krajewski-Métayer. Les deux pilotes vont doubler le 319. Ce coup-ci, Krajewski réussit à garder l'ascendant sur le numéro 297, Pablo Métayer. Arthur Vial est très mal parti, malgré tout, il parvient à revenir sur la troisième marche du podium après une cinquième place lors de la première course. Derrière les trois premiers, le numéro 319, Prunière est quatrième, Florian Millot complète le top 5 de cette deuxième manche, la place qu'il occupe également au cumul de la journée. Devant Bogdan Krajewski, le numéro 34 n'a rien lâché pour décrocher sa première victoire de manche et par la même occasion sa première victoire en espoir au cumul de la journée. Le podium du jour est le suivant, Krajewski, Prunière et Vial. Avant de se quitter, un point sur l'ordre de départ des courses qui auront lieu demain en catégorie junior. Rick Elzinger réalise la meilleure performance devant Thibaut Bénistan, Calvin Fonvieille, Julien Duhamel et Maxime Charlier. Rendez-vous dès demain matin pour la suite des courses et l'entrée en scène des pilotes élites.